Et sans plus tarder, je cède la parole à Monsieur Ananda Guillet. Et merci d'être présent aussi nombreux. Ça nous fait chaud au cœur et ça nous fait avancer. Merci. Bonjour à tous. Merci infiniment pour cet accueil et pour cette introduction. Et merci à la Tunisie de nous accueillir. C'est un pays qui est extrêmement accueillant. On n'est là qu'une journée, on s'en va lundi matin. C'est vraiment frustrant parce qu'on est, super, super bien accueillis. Donc merci beaucoup. Je vais commencer par présenter Coco Pelli rapidement. Moi, je suis, pour te corriger, le directeur et non le président de l'association. Le président, c'est mon père, donc qui est président fondateur, qui a fondé l'association en 98. Bah, j'espère pas trop vite quand même, parce que il nous est utile quand même. Donc oui, je vais présenter rapidement Coco Pelli, enfin rapidement, et le travail qu'on fait depuis 20 ans. Ce qui m'intéresse particulièrement, en fait, c'est l'échange, dans le sens où la situation tunisienne, je la connais pas du tout. Encore une fois, on est en passage éclair. J'espère qu'on reviendra et qu'on pourra travailler beaucoup plus en profondeur sur cet aspect de semences libres. Donc voilà, n'hésitez pas. Pour donner des conseils, donc si j'ai bien compris, là, ce qu'on attend de notre intervention, c'est des conseils sur la création de banques de semences. Donc on va y venir, mais c'est très important pour moi de sentir et de savoir ce qui se passe déjà sur le terrain, où est-ce que vous en êtes au niveau des semences paysannes, des semences libres et reproductibles. Donc j'ai avec moi Eric Sémillon, le président pour le coup de Coco Pelli Costa Rica, qui va pouvoir intervenir aussi un peu plus tard sur les expériences en Amérique latine. Donc voilà, les expériences de création de banques de semences. L'Amérique latine, c'est un peu dans le même cas que la Tunisie, c'est au balbutiement de l'utilisation des semences libres. Donc l'association Coco Pelli, après 20 ans de travail, on en est aujourd'hui à préserver une collection d'à peu près 3000 variétés. Donc en fait, Dominique, il y a 20 ans, est parti du principe que qui contrôlait la semence contrôlait par définition les populations, donc contrôlait l'intégralité de la chaîne alimentaire, donc les populations. Donc vraiment l'intérêt fondamental de Coco Pelli, c'est l'autonomie. C'est l'indépendance, en fait. Et cette indépendance, on peut la gagner uniquement avec des semences libres, avec des semences reproductibles. Pour le cas de la France, c'est depuis la première grande guerre et après la seconde grande guerre que les hybrides F1 et les nouvelles technologies agricoles se sont mises en place. Si j'ai bien compris, pour la Tunisie, c'est dans les années 56, il me semble. J'ai étudié très rapidement, parce qu'on a un gros emploi du temps, mais j'ai quand même étudié très rapidement avant de venir ici. Visiblement, l'introduction des hybrides F1 et le commencement de l'introduction des nouvelles technologies s'est fait dans les années 50 ici, donc 56. Il faut bien comprendre que les multinationales et en fait toutes les filières de l'agriculture moderne se basent uniquement sur la semence pour imposer leur monopole. Donc vous avez pu voir que le monde paysan est totalement verrouillé, vous le voyez en Tunisie, vous le voyez dans tous les pays du Maghreb, et en fait on le voit sur toute la planète. Et pour donner un exemple, on a eu il y a quelques jours dans mon bureau une personne qui venait du Népal et qui nous a supplié de venir aussi là-bas pour former les gens à la production de semences. C'est sur toute la planète, en fait, on a eu un verrouillage total de la semence libre, et c'est allé très très vite. Parce qu'en moins d'un siècle, les paysans ont perdu toute notion de ce qu'était fondamentalement la semence et la valeur que ça avait. Et on en est dans cette situation aujourd'hui, avec aucun accès à la semence, quasiment. Donc là encore, vous me direz où vous en êtes, parce que j'ai aucune idée de ce qui se passe concrètement sur le terrain. En 20 ans, l'association Coco Pelli s'est confrontée en fait à d'énormes contraintes, autant juridiques que des pressions des grosses firmes, etc. Non pas pour la concurrence qu'on pouvait apporter au monde de la semence, mais pour les idées de liberté qu'on semait en fait dans les consciences en distribuant nos graines libres. Donc ça, c'est l'aspect le plus important. En fait, la taille de la collection... Quand on dit 3000 variétés, ça paraît impressionnant, c'est ridiculement petit, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, en fait, c'est que les variétés soient libres et reproductibles. On a une énorme perte de biodiversité. La FAO annonce 75% de perte de la biodiversité cultivée, 90% de perte de la biodiversité globale sur toute la planète en l'espace de quelques décennies. Donc cette biodiversité, c'est une biodiversité qu'on a perdue à jamais, concrètement. Mais... c'est grave, mais
mais on peut quand même la recréer d'une certaine manière, cette biodiversité. D'où l'importance d'utiliser des semences libres et des semences reproductibles qui vont être multipliées dans le champ des paysans, qui vont être échangées, qui vont être vivantes, qui vont traverser en fait les pays et les continents. Et c'est vachement intéressant d'avoir cet aspect vraiment de partage, d'échange. Donc quand j'entends banque de semences, j'ai envie de dire que c'est un terme que nous on n'utilise plus parce que ça a des connotations assez figées en fait. D'une banque ou d'une étagère ou d'un frigo avec une énorme diversité à l'intérieur. C'est par exemple ce qui se passe à Svalbard sous la glace de Norvège où on a quelques 350 ou 400 000 variétés qui sont enterrées sous la glace au cas où il se passerait quelque chose sur la planète. Mais il se passe déjà quelque chose, ça fait des décennies qu'il se passe quelque chose. Donc ces variétés, il faut qu'elles soient dans les champs des paysans et non sous la glace pour préserver les gènes en fait. Parce que ces banques de semences, ces grosses banques de semences, sont en fait généralement financées par les mêmes multinationales. Bien évidemment, qui appauvrissent les réservoirs génétiques sur le terrain. Donc, on peut utiliser le terme de banque de semences, mais dans l'esprit, il faut que ce soit quand même quelque chose de fluctuant, quelque chose de vivant. Vraiment un partage de la connaissance et des variétés. L'association Coopelli a deux campagnes qui sont primordiales pour cet échange. Donc avant, je vais vous expliquer quand même le fonctionnement. En fait, Coopelli, on a été vraiment très désireux d'être totalement indépendant. Donc le seul moyen qu'on ait trouvé en fait, pour gagner cette indépendance, c'est de commercialiser de la semence libre. Donc, et on fait ça illégalement depuis 20 ans, vu que nos variétés, je ne sais pas comment ça se passe en Tunisie, mais en France, on a un catalogue qui était le catalogue national et qui est devenu le catalogue européen. Et les semences, si elles ne sont pas inscrites à ce catalogue, elles sont tout simplement illégales. Donc on n'a pas le droit de les commercialiser. Donc on s'est mis dans l'illégalité en commercialisant ces variétés, ce qui nous a permis en fait d'avoir des revenus dans l'association et de pouvoir mettre en place différentes campagnes entre guillemets humanitaires qui nous permettent de distribuer de la semence gratuitement partout sur la planète. Et bien évidemment, illégalement, c'est de la contrebande. On est venu ici en Tunisie avec de la semence planquée dans les doubles fonds des valises. J'exagère un peu, mais planquée sous les t-shirts en tout cas. Et on fait ça partout où on va, de la contrebande de graines. Donc il faut bien, donc ça a un aspect effectivement rigolo, mais il faut bien peser la gravité de la situation. En Tunisie, je reviendrai sur les campagnes de Coopelli, mais j'en profite quand même pour partir sur notamment les OGM. Vous avez des OGM qui rentrent en Tunisie visiblement d'un peu partout, avec aucun contrôle des disséminations, aucune réglementation concrète. Mais par contre, des semences libres et reproductibles, Coopelli a l'interdiction formelle de vous les amener. Donc cette situation est en fait dramatique, totalement dramatique, parce que sous couvert de... Nous, on ne délivre pas de certificat phytosanitaire, par exemple. Donc ici, on est dans une école, je suppose que vous avez tous entendu parler des certificats phytosanitaires. En fait, c'est un verrou, tout simplement. Sous prétexte de préserver une biodiversité, de ne pas importer des plantes de l'étranger qui vont devenir invasives ou on ne sait quelle ânerie, en fait, parce que c'est tout simplement une farce, bien évidemment. Surtout concernant les potagères. Si les tomates et les courges devenaient invasives dans les pays où la diversité génétique est totalement absente, ce serait... tant mieux, j'ai envie de dire. Déjà parce qu'il y aurait à manger pour tout le monde, de la nourriture saine, et surtout parce que, enfin voilà, ce serait un énorme apport de génétique. Donc Coopelli, en fait, a deux campagnes, mais la principale campagne s'appelle Semences sans frontières. Cette campagne Semences sans frontières nous permet, encore une fois, d'emmener partout sur la planète des semences fertiles dans nos valises en toute illégalité. Ces semences sont produites généralement par un réseau de jardiniers amateurs qui prennent en charge en fait chez eux de produire cette semence, d'en garder évidemment une partie pour eux, d'en donner à la famille, aux voisins, etc. et de nous renvoyer une partie de cette semence que nous on va expédier partout sur la planète via des ONG, via des associations ou via nous-mêmes quand on y va physiquement comme ici aujourd'hui. Il faut bien comprendre que tout ça se passe globalement en toute illégalité.
en tout cas pour ce qui est de l'export des variétés. Après, on a une deuxième campagne qui s'appelle la campagne parrainage. Et là, c'est la campagne qui va vraiment vous intéresser, en fait, parce que c'est ce que vous allez devoir calquer comme modèle pour créer cette dynamique d'échange et de partage de semences libres. C'est la campagne parrainage. Donc, c'est le même principe quasiment, sauf que les jardiniers qui reproduisent des semences, qui sont très rares, qui sont pour la plupart en voie de disparition totale, donc des semences très rares, ils les reproduisent, ils nous les renvoient et nous on les renvoie gratuitement, non pas dans les autres pays, mais en France, à d'autres adhérents. Donc on sert de plateforme d'échange. Donc on pourrait appeler ça une banque, mais ce n'en est pas vraiment une dans le sens où on ne stocke pas. Chez Cocopelli, on n'a pas de congélateur, on n'a pas de frigo, on n'a pas d'endroit où on stocke. On est contre ce principe de stockage. Parce qu'à partir du moment où on stocke, où on fait une grosse collection, toujours plus, toujours plus, toujours plus, en fait, généralement, ça reste dans les étagères et ça part pas chez les jardiniers. Il vaut mieux en avoir un peu moins et que ce soit vraiment vivant. Donc moi, c'est ce que je vous invite à faire, en fait, pour créer vraiment cette dynamique de partage de banque de semences. Donc, comme tu me disais tout à l'heure, c'est évidemment les débuts qui sont les plus durs. Donc là, encore une fois, il va falloir que vous me disiez où vous en êtes, en fait, par rapport à tout ça, où en est l'association de permaculture et est-ce que vous avez un début, en fait, à ce travail ou non. Mais clairement, en fait, il faut. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas attendre que ces semences de base. Enfin, nous, on vous en a amené, donc elles vont être partagées. Je vous inviterai à venir nous rejoindre après sur le petit bout de table qu'on a là-bas. Mais à partir du moment où vous avez ces semences, il faut vraiment les prendre, les accueillir dans votre jardin comme une base à ce travail de préservation, de diversité. Pas simplement les planter, récolter les fruits et passer à autre chose. Vraiment les considérer en tant que semences fertiles, en tant que semences libres et sentir la puissance de ce que vous allez avoir dans vos mains. Parce que c'est des vraies semences et une graine de tomate va pouvoir vous donner en l'espace de 1 ou 2 ans des kilos de tomates et évidemment vous multipliez ça par ce que vous voulez pour avoir la quantité de fruits, ça peut aller très vite et c'est ça qui est fantastique avec la nature, c'est que la nature est extrêmement généreuse. Vous prenez une graine de laitue, vous la plantez, vous laissez monter votre laitue à graines, tout le monde peut le faire, c'est extrêmement facile, vous aurez des dizaines de milliers de graines de laitue. Donc l'exploit des multinationales, en fait, en toute complicité avec les États, c'est d'avoir fait oublier l'essentiel et la base de la générosité de la nature. Derrière tout un écran de nouvelles technologies, de plus de productivisme, etc., pour soi-disant nourrir la planète, qui est évidemment une farce totale. On le voit bien, parce que si on est là aujourd'hui, en ce moment, c'est qu'on est en train de se rendre compte qu'on nous a bluffé, bien évidemment, avec les hybrides F1, avec les OGM et avec toutes les technologies. On voit l'état de la désertification. En Tunisie, vous êtes très bien placé pour le savoir. On a, et sur la planète, pour vous donner un ordre d'idée, chaque seconde qui passe, c'est 800 tonnes d'humus, de terres arables qui sont désertifiées à tout jamais. Chaque seconde, 800 tonnes. Donc vous allez sur Internet, vous allez sur le site de la FAO, sur le site statistique, vous avez énormément de statistiques du genre, et il ne faut pas les regarder le soir parce qu'on fait des cauchemars après. 800 tonnes chaque seconde. Si on continue dans cette agriculture, d'ici quelques années, on n'aura plus de sol du tout. Donc c'est hyper urgent de changer ces méthodes, de laisser les nouvelles technologies agricoles qui ne fonctionnent pas de côté et de partir vers un nouveau mode d'agriculture. La permaculture est un exemple, l'agroforesterie, les jardins-forêts, il y a énormément de méthodes en fait et qui fonctionnent et science à l'appui, qui ont été prouvées, qui sont évidemment 10 ou 50 fois plus productives que l'agriculture soi-disant productiviste. Et la base de ce travail, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est la semence. La semence et les techniques d'agroécologie qui vont aller avec cette semence. Parce qu'évidemment, ce travail sur la semence, vous ne pouvez pas le faire de la même manière qu'on cultive des hybrides F1 ou des OGM. Il faut que dans la globalité, le fonctionnement agricole change. Concernant la désertification, un exemple bien concret qui est en lien directement avec la semence, c'est le maïs. Le maïs, les nouvelles technologies en ont fait une plante qui pompe 100 litres d'eau de la graine à la graine. Le maïs, c'est une plante C4 qui est extrêmement adaptée à la sécheresse à la base, qui vient des plateaux andins. Et en fait, c'est les nouvelles technologies qui en ont fait une plante qui bouffe de l'eau. Et là, à l'heure actuelle, on nous propose maintenant un OGM résistant à la sécheresse. Donc,
les nouvelles technologies agricoles tournent en rond, en fait, tout simplement. Et plus on s'engouffre dans ces nouvelles technologies, plus les écoles d'ingénieurs agronomes sont pointues, plus en fait on éloigne ce travail de sélection et ce travail de la terre et ce travail de reproduction du monde paysan, plus on l'éloigne pour aller vers les laboratoires, les écoles, etc. Et plus les gens meurent de faim et de cancer sur la planète. Donc on voit bien que ça ne fonctionne pas et on voit bien qu'il faut changer. Et la base, c'est la semence. Donc, c'est une très rapide introduction au travail. Je vais laisser Eric, peut-être si tu veux présenter un peu le Costa Rica, après je reviendrai. Bonjour à tous. Donc là, c'est marrant comment se sont passés les événements, parce que je suis en France en vacances. J'étais à la ferme et puis il y a eu l'invitation, et du coup, je me suis greffé au voyage. Donc vraiment content d'être avec vous. Et peut-être que notre expérience en Amérique latine peut aussi compléter l'expérience française, parce que l'Amérique latine, il y a beaucoup d'impulsions comme ça, de paysans pour des micro-projets de banques de semences. Donc en effet, quand vous nous direz un peu mieux où vous en êtes ou ce que vous attendez de nous, peut-être qu'on pourra illustrer ce qui se passe de l'autre côté de l'océan. Mais basiquement, au Costa Rica, il y a une diversité qui est énorme, parce qu'on a tout, on a des tropiques humides, tropiques secs. Il y a des plantes d'ici que je revois là-bas, comme la moringa ou le ricin qu'on utilise beaucoup en agriculture, les ricins rouges. Au Costa Rica, disons qu'on ne veut pas prendre trop d'espace non plus, on n'a qu'une heure. Je pense qu'il y a beaucoup dans l'échange aussi, si vous avez des questions. Mais basiquement, comme disait Ananda, pour aller dans ce sens-là, on parle de centres communautaires de production de semences plutôt que de banques de semences, parce que déjà, on veut couper avec ce phénomène de banque. Je crois qu'on souffre tous sur la planète de ces grands gangsters, ou banksters, comme on les appelle à d'autres endroits. Donc il faut reprendre notre force, notre autonomie, notre pouvoir. Et la semence, c'est vraiment la base. Donc au Costa Rica, on a acquis, par exemple, dernièrement, il y a eu une grande campagne contre les OGM. Ils ont voulu introduire des maïs OGM. Et comme le ministère de l'Agriculture était en faveur de ces OGM, comme dans beaucoup d'endroits, on a défendu le maïs à travers le ministère de la Culture. On a déclaré le maïs comme patrimoine culturel. Et après, on a été dans chaque municipalité pour déclarer les territoires sans OGM. Donc si le gouvernement central résiste ou ne comprend pas les enjeux, il faut reprendre ses positions locales, parce que de toute manière, l'agriculture, c'est une réalité locale, une réalité familiale. C'est ce qu'on prône, nous, l'agriculture vivrière d'abord. Je sais qu'ici, vous faites de l'agriculture bio qui est essentiellement axée sur l'export. Ça, c'est vraiment quelque chose à reconsidérer. On vous encourage à ce que le bio soit d'abord pour la famille et après, éventuellement, pour l'export. Et après, la semence, évidemment, ça, c'est au niveau de votre communauté. Donc, au Costa Rica, on a aussi la chance d'avoir un centre de formation qui est très impliqué, avec des écologistes très impliqués. Ça aide. Donc après, c'est voir par où rentrer, par où c'est le plus facile pour que ça puisse se mettre en mouvement. Et puis on pourra parler d'autres pays d'Amérique latine aussi, si on a le temps. Voilà, parce qu'il y a plein de dynamiques et ça, c'est encourageant. Donc juste, je voulais rajouter un tout petit truc pendant que j'y pense, avant que Slow Food se présente. C'est ça, c'est Slow Food ? Ouais. En fait, il faut savoir quelle est l'intention. Vraiment, l'intention de base, et c'est pour rebondir sur ce que dit Eric par rapport à l'agriculture bio. Donc là, apparemment, vous n'avez pas énormément d'agriculture bio en Tunisie. Sans parler même de l'agriculture bio, en fait, la production de semences et l'autonomie, c'est un concept qui doit être essentiellement axé autour de la famille, en fait, autour de l'autosuffisance. Si ce concept, vous voulez l'amener, reproduire des semences libres, donc là encore, on verra où on en est en Tunisie, mais
il faut pas que ce soit axé ni vers l'export, ni vers le commerce, ni vers le maraîchage, ni vers en fait tout ça. Il faut que le maraîchage ou le commerce qui est fait soit en fait un plus. Alors ça paraît un peu bizarre ce que je dis, mais c'est très important parce que nous, c'est le fondement, c'est le fondement de Cocopelli, c'est l'autosuffisance dans les jardins familiaux. Et pour nous, c'est la base, c'est vraiment la base du travail. Alors c'est une question très compliquée parce qu'on sait bien que sur la planète, une très très grande majorité des humains vivent en ville. Donc en ville, on a évidemment une très grosse complication par rapport à l'autosuffisance, mais encore une fois, dans un circuit très court, et ça peut s'appliquer à tous les pays de la planète, dans un circuit très court, on arrive à nourrir les villes d'une manière ou d'une autre. Donc il faut se remettre à réfléchir petit en fait, tout simplement. En Europe, on a un concept qui se développe énormément, je ne sais pas si ça se développe ici, mais ça s'appelle les micro-fermes. Donc en fait, c'est des fermes sur moins d'un hectare. Et en fait, on se rend compte que sur une ferme sur moins d'un hectare, on arrive finalement à dégager quasiment plus de revenus que sur une énorme exploitation, et surtout, avant de dégager des revenus, à être autosuffisant en termes d'alimentation. Donc c'était juste ma petite parenthèse. Il faut réfléchir à échelle humaine, à échelle familiale. C'est très important sur ce concept de préservation des variétés libres et reproductibles. Merci beaucoup. Merci Ananda, merci Eric. Je vous présente Madame Nazarena Aranza, elle est responsable de Slow Food International Maghreb Moyen-Orient et elle va nous parler brièvement de son ONG. Bonjour à tout le monde. Et bon, avant tout, je voudrais remercier vraiment beaucoup l'organisation pour m'avoir invitée. J'avoue que je pensais venir juste profiter de la journée des conférences. Je ne pensais pas en fait intervenir. Et bon, juste une précision, je suis la référente. Ça veut dire que tous les réseaux locaux de cette zone, s'ils ont besoin d'être mis en relation, en contact avec les réseaux des autres parties du monde, se réfèrent à moi. Et disons que j'accompagne et j'explique, disons, quels sont les instruments que l'association Slow Food peut donner à ces réseaux locaux. Pour Slow Food, oui, Slow Food est à la base est né comme association d'amis en Italie dans les années 80. Et c'était un groupe d'amis qui s'est rendu compte que, en fait, on était en train de perdre toute la biodiversité et les traditions gastronomiques locales en Italie, parce que c'était le gros moment du fast-food, etc. Et partant, évidemment, aussi toute la petite paysannerie était en train de mourir. Et donc, ils ont commencé à travailler localement pour la valorisation des produits locaux, avec une gastronomie qui valorisait ces produits. Petit à petit, le concept, disons, s'est diffusé. Et maintenant, Slow Food est devenu un mouvement présent dans 150 pays au monde, à travers des associations locales et qui décident d'adhérer à la philosophie, disons, du bon, propre, juste et local, et de s'activer localement pour donner un coup de main aux fermes, aux paysans vertueux qui travaillent localement, et en essayant de faire des initiatives de sensibilisation auprès des enfants, auprès des adultes, des moments de rencontre et de connaissance de ce qu'est le patrimoine gastronomique local et les variétés, les races animales qui sont locales et qui sont en train de disparaître. Donc il y a un volet de valorisation surtout. Slow Food, ce qu'il fait surtout, c'est de la communication sur tous ces résistants de la petite agriculture et qui aujourd'hui tout simplement n'arrivent pas en fait à être compétitifs sur le marché. Donc on essaye de travailler avec eux à travers les réseaux locaux pour qu'ils soient plus ils soient mis en avant, ils soient plus reconnus dans leur travail.
Je voudrais pas rester très longtemps. Sans doute, s'il y a des questions, je répondrai volontiers. Notre but est aussi de nous lier en fait avec toutes les associations qui font déjà du travail sur le terrain et qui sont complémentaires avec nous. Donc j'ai pensé justement évidemment à l'association de Parmaculture où j'étais super contente en fait de écouter les responsables de l'association Coropelli. Et donc voilà, nous on pense et on travaille en réseau et on espère d'aller de l'avant avec, voilà, parce qu'on part toutes dans la même direction et en fait c'est, je pense, en unissant les forces qu'on peut espérer en fait sauver et redonner de la valeur à ce qui maintenant est à risque, voilà. Bon, merci. Merci, Nazarena. La parole est à vous maintenant. Veuillez être bref, s'il vous plaît, pour donner la possibilité, la chance à tout le monde, enfin, au maximum de gens d'intervenir.